Op 2 oktober slaat het noodlot toe voor Silvio Proto. De doelman blesseert zich tijdens de opwarming van het Champions League-duel tegen Olympiakos. De geëmotioneerde Proto kan niet spelen en wordt vervangen door Kaminski. C'est un simple ballon hein, à l'échauffement. Max shot un petit ballon avec un rebond juste devant moi. Et mon pied reste bloqué dans le sol. Et ma jambe a tourné, mais pas ma cheville. Et il y a un ligament sur le côté du pied qui s'est déchiré. Heureusement, pas totalement. Parce que sinon, on aurait dû faire une opération. Et là, j'aurais été indisponible à peu près 3 mois. Mais là, allez, j'ai eu de la chance. Et voilà, donc on a dû reprendre petit à petit à remarcher parce qu'on a dû immobiliser le pied aussi à un certain moment. Et puis reprendre la course tout doucement et faire des exercices pour ne pas perdre trop de muscles. Et voilà, maintenant ben voilà, je peux reprendre les entraînements de gardien et ça fait du bien. C'est bizarre parce que je n'ai pas été blessé pendant quasiment 4 ans et demi. Et puis là, en 3 mois, j'étais 2 fois blessé. Donc, c'est bizarre, c'est difficile aussi mentalement, mais voilà, maintenant, j'espère que je vois la fin du tunnel et le bout du tunnel et que ça va aller mieux maintenant pour moi. Revalideren is een eenzame periode. Terwijl alle ploegmakkers op het veld staan, traint Proto apart. Daarbovenop is het veel harder werken om terug te komen dan wanneer je alledaagse trainingen kan afwerken. Niet leuk dus. Tu dois toujours essayer de revenir à ton meilleur niveau. Et tu dois travailler 2 fois plus que les autres pour revenir, ce qui est normal. Et c'est ça aussi qui est difficile, parce que voilà, tu étais à un bon niveau. Et puis tu te dis, voilà, maintenant il faut que je fasse tout pour revenir à ce niveau-là et essayer de le dépasser. Donc tu es souvent tout seul aussi dans la salle, donc c'est pas facile. Mais ça fait partie aussi d'une carrière où tu as des moins bonnes périodes. Il faut savoir vivre avec ça. Bon, tu sais, quand tu fais ce métier, tu vas avoir des moments où. Ou tu vas avoir ces périodes-là à gérer, faut savoir les gérer. Intussen zijn we een maand verder en lijkt alles de goede richting uit te gaan. Het RSCA-icoon werkt alweer veldtrainingen af, zij het apart met keeperstrainer en physical coach. Ça va mieux. Allez, c'est difficile au début que tu es blessé, parce que tu fais toujours des entraînements dans la salle. Et c'est pas tout le temps amusant. Mais maintenant, voilà, on associe ça avec le terrain. Et c'est plus agréable, voilà, on peut travailler plus dur aussi, on a plus d'énergie. Ici, je trouve qu'on est quand même bien encadré. Kuhn est toujours avec moi. Donc, allez, on rigole aussi, on rigole bien pour. Parce que voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. Je pense à Mati qui a encore une blessure plus grave que la mienne. Donc, je pars du principe que dans la vie, ben voilà, il y a toujours mieux que soi, mais il y a toujours pire aussi. Donc, allez, faut pas trop. Faut pas trop s'en vouloir pour les choses qui arrivent, il faut essayer de retenir le positif. Et j'ai hâte vraiment de retrouver le terrain parce que ça me manque vraiment. Et j'ai vraiment faim de recommencer. C'est important aussi après une blessure de rattraper la faim et de vouloir faire les bonnes prestations. Allez, maintenant on est tout proche de recommencer à jouer des matchs. Hein. Je pense que dans une semaine je devrais être prêt pour rejouer un match. Le match contre le PSG va arriver trop tôt pour moi. Mais j'espère que le match contre Genk, voilà, je serai capable et à 100% pour jouer ce match-là. Fini pour aujourd'hui.